Yo les potos, nous sommes le vendredi 4 juin 2021. Nous allons faire un tour des plantes dans la cour. Voilà. Donc, je vous ai rentré dans l'espace communauté. Je vous ai fait un post. Il y a quand même quelques personnes qui ont regardé, donc merci à vous. Il y a quand même eu quasiment 10 likes, donc merci à vous. Mais voilà. Donc il n'y a pas tout le monde qui a regardé, mais il y en a quand même pas mal. Donc merci à vous. Donc on va commencer par le rosier avec les roses, bien sûr. Là, je l'ai taillé et commence à repousser là. C'est là. Là, voilà. Là, le petit bourgeon. Donc voilà. Donc, derrière, là, il y a une nouvelle pousse. Enfin, je vais vous montrer. D'ailleurs, qui fait une toute petite rose ici. Regardez. Toute petite rose, elle est mignonne. Donc là, il y a le pêcher. Le petit avocatier. Ah oui, ça, c'est une nouveauté, l'avocatier. D'ailleurs, on l'a mis dehors. Et quand il pousse bien. Voilà, on l'a remboté. C'est celui-là qui était dans le noyau. Je vous ai montré à l'automne. Le cerisier, bien sûr. Le petit plant d'aubergine avec l'aubergine qui pousse, là. Une aubergine, c'est incroyable. Donc, voilà. Là, il y a les fraisiers, la menthe. La petite tomate avec des tomates qui sortent, là. J'imagine des tomates. Voilà, courgette. Regardez la belle courgette, là, qui pousse. Regardez la belle courgette, elle est magnifique. Elle pousse bien à la base. Au bout également, mais au milieu, elle est en train de faire la tête. Elle tombe toute, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, il y a les petits poivrons sous la terre, voilà. Les bouteilles. Voilà, là, il y a poivrons. Par contre, c'est un pied qu'on a acheté. Regardez un peu les fleurs qui sortent. Un peu les grosses fleurs. Le petit coqueret du Pérou, voilà. Et voilà. Donc là, il y a l'érable du Japon. Là, il y a le petit le nouvel agrume que je vous ai montré. Le petit citronnier. C'est ça, citronnier des 4 saisons. Voilà. Il pousse bien. Enfin, il a refait des épines, quoi. Il a fait des petites épines, là. Voilà. Là, il y a l'œillet. Le petit clémentinier. Alors, lui, regardez comme les pousses qu'il me fait. Regardez un peu les pousses. Regardez, il me fait des nouvelles pousses. Regardez les belles feuilles du clémentinier. Là, la lavande qui est en fleurs. Le petit rosier, alors lui, c'est un peu... je crois que c'est un de mes chouchous. Avec le cédratier, c'est mes chouchous. Voilà, regardez un peu. Regardez les roses. Regardez un peu les boutons qui sortent. Là, ça veut dire que dans une semaine, comme il va refaire bon, peut-être dans une semaine et demie, déjà, on verra les pétales, on pourra sentir l'odeur. Est-ce qu'on sent... Non, on sent pas. On sent le savon noir que j'avais mis, ou je sais pas quoi. On sent le savon noir, parce que j'en avais mis plein. Mais il est parti, il part à force, il y a de moins en moins de parfum. Voilà. Donc regardez, magnifique, du haut jusqu'en bas, enfin, du milieu jusqu'en haut. Regardez là les fleurs, regardez les grappes. Regardez comment il est beau le rosier. Regardez un peu les grappes. Surtout là, regardez la grosse rose, regardez les grosses roses là. Enfin, il est très très beau comme rosier, franchement. Je regrette pas d'avoir pris celui-là. Alors voilà. Ensuite il y a le cerisier colonnaire. Colonnaire, voilà. Le petit Pyrus communis condo, le fameux poirier commun. Regardez comment il est beau. Voilà. Le petit amandier. Pousse bien. Le petit bambou Fargesia rufa. Le noisetier avec le petit musotis. Le petit érable du Japon. Le petit conifère. La petite. Je me pousse. La petite pensée. Voilà. Le petit myrtillier, le petit séquoia, l'archéo, je n'ai même pas vu, il a refait des pousses. Là, le petit sapin, là où les fraisiers, enfin voilà, il y a des plantes partout. Les petits sapins, l'érable du Japon, l'olivier, alors lui, oh, j'ai rarement vu un olivier jeune faire autant de boutons. L'année dernière, je l'ai blindé, enfin j'ai mis beaucoup d'engrais une fois, et regardez le résultat. Et de la taille également. Regardez tout ce que vous voyez là, les grappes, c'est que des fleurs. À part les pousses vertes, sinon c'est que des grappes. Regardez. Oh, regardez, normalement je devrais avoir des olives, celle. Et également le cerisier du Japon. Alors, malheureusement, le petit gâte agrume là, il a pris un coup de chaud. Regardez. Il a grillé un petit peu. Là, c'est un petit peu grillé. Également là, il a pris un coup. Voilà, même là, un petit peu. Mais ça va. C'est léger. Voilà. Regardez la grosse main de Bouddha là qui sort. Voilà, vous voyez avec les nouvelles pousses, bien sûr, nouvelles pousses, voilà, il est très beau, voilà. Ensuite, il y a l'abricotier, voilà l'abricotier, et puis voilà, bah, normalement, on a fini le tour de la cour, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, on a fini. Voilà, ça, on a fini, donc regardez le rosier, je vous le remonte un peu, regardez même là-haut, il n'y avait rien, il y a eu 3 boutons qui se sont formés, ah, je suis trop content, voilà, bon, allez, ciao.